Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous ai amené avec moi dans les rues du Mylan. Euh, j'ai voulu vous faire voir euh, un peu qu'est-ce qui attire mon attention lorsque je fais de la photographie. Alors, je vous ai montré des choses que j'ai photographiées durant ma sortie dans les rues du Mylan. Euh, c'est un quartier que j'adore. C'est un quartier qui est très multi Et c'est un quartier où c'est super le fun de se promener. De se promener. Alors. Depuis les derniers mois, je travaille uniquement en noir et blanc. Alors, c'est un exercice que j'aime faire à l'occasion, faire uniquement du noir et blanc. Ça me permet de revenir aux bases de la photographie, c'est-à-dire la lumière, le contraste, la composition. Alors, je ne suis pas distrait par les couleurs lorsque je fais du noir et blanc. Et pour que l'exercice soit valide, c'est très important que les photographies soient converties en noir et blanc lorsque je les importe dans Lightroom, de façon à ne jamais les voir en couleur dans la bibliothèque de Lightroom. Et pourquoi c'est important de ne pas voir les photos en couleur Eh bien, c'est tout simplement que lorsqu'on est dans la bibliothèque et qu'on trie nos photos, les photos vont généralement être en couleur, on va voir une image et pour une raison quelconque, on ne l'aimera pas, on va la rejeter. Si on avait vu cette photographie-là en noir et blanc, peut-être qu'on l'aurait trouvée intéressante et qu'on l'aurait conservée. Alors, c'est la raison ici pour laquelle je convertis mes photos en noir et blanc lors de l'importation. Comme ça, lorsque je vais les créer dans la bibliothèque, je vais les voir en noir et blanc et je vais sûrement voir des photos que je n'aurais pas pensé euh, retenir pour les travailler si je les avais vues en couleur. Cet exercice-là de faire uniquement du noir et blanc, c'est un exercice que j'aime faire aussi lorsque je suis dans une période de vie créative. Alors, faire uniquement du noir et blanc, euh, ça aide à me stimuler et euh, ça m'aide à trouver de nouvelles idées à explorer avec euh, la photographie. Alors, là, je vais vous montrer dans le tutoriel comment faire pour importer ces photos. En noir et blanc, comment faire pour appliquer aux photos un paramètre de traitement lors de l'importation? Alors, on s'en va dans Lightroom. Bon, alors, dans un premier temps, je dois d'abord créer le Puisette que je vais vouloir utiliser lors de l'importation. Alors, pour faire ça, j'ouvre dans le module développement n'importe quelle photo qui n'a subi aucun traitement. Alors, je vais prendre la photo qui est ici et je l'ouvre dans le module développement. Alors, ensuite, je vais aller dans la banque de profil de Lightroom qui est juste ici. Vous voyez. Et je vais aller chercher le profil noir et blanc que je veux appliquer à la photo lors de l'importation. Alors, noir et blanc. Et j'ai ici les différents profils noir et blanc qu'il y a dans la section profil. Et vous voyez, si on défile complètement en bas, eh bien, on a noir et blanc filtre bleu, noir et blanc filtre vert, noir et blanc filtre jaune, noir et blanc filtre orange, et noir et blanc filtre rouge. Alors, moi, je vais appliquer le filtre noir et blanc euh, filtre orange. Alors, je clique sur le profil noir et blanc filtre orange. Orange. Et je clique ici sur Fermer. Alors, vous voyez, le profil appliqué à la photo, c'est le profil noir et blanc, filtre orange. Ensuite, l'autre réglage que je veux m'assurer qui va être appliqué à la photo lors de l'importation, eh bien, ce sont les réglages de correction de l'objectif. Et là, je m'assure que les réglages sont bien ajustés. Alors, je coche Supprimer l'aberration chromatique. Je coche Activer le profil de correction. Je m'assure que Configuration est ajustée sur Automatique. Voilà. Et là, automatiquement, Lightroom va détecter l'objectif qui a été utilisé pour faire la photographie et il va appliquer le profil de correction de cet objectif-là. Alors, maintenant que mes deux réglages sont Bien ajusté, c'est-à-dire le réglage de correction de l'objectif et le profil de traitement, noir et blanc, filtre orange. Et bien, là, je peux créer le Puisette. Alors, pour créer le Puisette, je viens ici dans l'onglet Paramètres prédéfinis. Alors, vous m'excuserez d'utiliser le terme anglais Puisette. Je devrais plutôt dire Paramètres prédéfinis. Alors, on vient dans l'onglet Paramètres prédéfinis. On clique sur le plus. Et là, on dit créer un paramètre prédéfini. Et là, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Alors, dans un premier temps, je vais aller décocher tous les réglages qu'il y a ici. Alors, je viens en bas et je clique sur Ne rien sélectionner. Là, vous voyez, tout est décoché. Alors, si on regarde ré... quest ce qui est écrit ici dans le menu, eh bien, on a la liste de tous les réglages qu'on peut ajuster dans le module développement. Alors là, je vais donc cocher les réglages que je veux enregistrer dans le profil. Alors dans ce profil là, je veux enregistrer le profil de traitement. Alors je coche traitement et profil. Alors ça ça, ça va faire en sorte que Lightroom va inclure dans le pré réglage euh, le pré-réglage qui applique le profil noir et blanc filtre orange. Et ensuite, je veux inclure dans mon pré-réglage les corrections de l'objectif, comme ça ici. Ensuite, je donne un nom à mon pré-réglage. Alors, je vais tout simplement l'appeler euh, importation, parce que c'est un pré-réglage que je vais appliquer lors de l'importation. Euh, noir et blanc, orange, plus correction optique. Et là, je dis dans quel groupe je veux placer mon réglage Alors, si vous prenez la peine de regarder l'onglet paramètres prédéfinis, vous allez voir que les pré-réglages sont regroupés dans des groupes. Un peu comme des dossiers. Alors, euh, vous. Vous dites, vous dites à Lightroom dans quel euh, groupe que vous voulez placer votre pré-réglage. Alors, je vais placer mon pré-réglage dans un groupe qui s'appelle Importation. Et je clique sur Créer. Voilà. Maintenant, si je vais ici, et que je regarde dans le, dans le, dans le, dans le, le menu des paramètres prédéfinis, si je regarde dans l'onglet Importation dans le groupe Importation. Eh bien, j'ai ici le pré-réglage que j'ai créé. Importation, noir et blanc, orange, plus correction optique. Alors, maintenant, une fois que ce pré-réglage-là a été créé, eh bien, je peux aller à l'importation de mes photographies. Bon, alors, je clique en bas ici sur Importer. J'ai le menu Importer qui apparaît. Alors là, on voit toutes les photos qu'il y a sur ma carte mémoire. Alors, je vais dire à Lightroom de convertir les fichiers en format DNG, chose que je fais automatiquement lorsque j'importe mes, mes photos. Je convertis toujours mes fichiers en DNG. Ensuite, dans la colonne de droite, il y a un menu ici qui s'appelle ⁇ Appliquer pendant l'importation ⁇ Et là, vous avez ⁇ Paramètres de développement ⁇ et là, on peut dire à Lightroom quels paramètres de développement appliquer aux photos lors de l'importation. Alors, je clique ici sur les petites flèches. Et là, j'ai le menu de mes pré-réglages qui apparaît. Alors, si je vais dans le groupe Importation, eh bien, je vois le pré-réglage que j'ai créé. Importation noir et blanc, orange, plus correction optique. Alors, je clique là-dessus. Et là, vous voyez, le, le nom du pré-réglage apparaît ici. Ensuite, je dis à Lightroom où placer les photos que je vais importer. Voilà. Et je clique finalement sur importer. Et là, on laisse Lightroom travailler. Les photos vont s'importer. Alors, dans un premier temps, les fichiers sont importés tels qu'ils ont été faits à la prise de vue. Et là, vous voyez, Lightroom applique le profil noir et blanc sur les photos. Et voilà, mes photos ont été importées et elles sont en noir et blanc. Et lorsque je vais ouvrir ma photo dans le module développement, je vais ouvrir celle-là par, par exemple. Voilà, elle apparaît immédiatement en noir et blanc. Et si on regarde les réglages qui sont appliqués à la photo, eh bien j'ai ici... Le profil noir et blanc filtre rouge. Et ici, j'ai les corrections de l'objectif qui ont été automatiquement appliquées à la photo. Et tous les autres réglages sont à zéro. Alors, je suis prêt à faire le post-traitement de ma photographie. Il existe une autre façon d'appliquer des pré-réglages euh, aux photos lors de l'importation. Alors si on va dans le menu des préférences de Lightroom, alors ici vous avez dans l'onglet Paramètres prédéfinis, vous avez ce menu-là ici. Alors vous pouvez dire à Lightroom euh, quel, param quel euh, paramètre appliquer lors de l'importation, vous pouvez le dire ici. Alors vous pouvez choisir euh, des... Un, un paramètre prédéfini, ou vous pouvez être encore plus raffiné. Et vous pouvez dire à Lightroom d'appliquer les paramètres prédéfinis en fonction de l'appareil photo. Alors, moi, j'ai trois appareils photo avec lesquels je travaille: mon téléphone, un boîtier Nikon D750 et un boîtier Nikon D7100. Alors, pour chacun de mes trois appareils, j'ai créé un profil d'importation et ce profil-là est automatiquement appliqué aux photos lorsque je les importe. Alors Lightroom va détecter la caméra qui a été utilisée pour faire la photographie et il va appliquer automatiquement le paramètre prédéfini correspondant à la caméra. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction créée ici. Vous pouvez tout simplement... Euh, tout décocher, dire à Lightroom de ne pas utiliser cette fonction-là et de choisir quels paramètres vont être appliqués aux photos lors de l'importation dans le menu Importation. Mais si vous appliquez toujours les mêmes paramètres lors de l'importation, eh bien, c'est beaucoup plus simple de le faire par ici. Comme ça, vous allez être certain que vous n'oublierez jamais d'appliquer vos paramètres lors de l'importation. Alors, dans le tutoriel, je vous ai parlé d'utiliser un filtre orange euh, lors de la conversion en noir et blanc. Alors, c'est quoi cette histoire-là du filtre orange? Euh, Lorsqu'on photographiait avec des films en noir et blanc, à l'époque de l'Argentique, pour euh, ajuster le contraste dans l'image, pour ajuster la tonalité des gris correspondant aux différentes couleurs, on mettait sur l'objectif de la caméra un filtre de couleur. Les quatre fils les plus utilisés, c'était le jaune, l'orange, le rouge et le vert. Alors, le principe des filtres de couleur est très simple. C'est que le fil de couleur va laisser entrer dans la caméra les couleurs, les, les, la lumière dont la couleur est similaire à celle du filtre et le filtre va bloquer la lumière dont la couleur est complémentaire à celle du filtre. Donc, si j'ai dans une assiette une orange avec un poivron vert et que je photographie ce, cet arrangement-là avec un filtre orange sur l'objectif, eh bien la lumière orange de l'orange va passer à travers le filtre orange qui est sur l'objectif, tandis que la lumière verte du poivron vert va être bloquée par le filtre orange qui est sur l'objectif, parce qu'un vert, c'est une couleur qui est dans une gamme complémentaire à orange. Et ça va faire en sorte que dans la photographie, l'orange va être d'un gris très lumineux, tandis que le poivron vert va être d'un gris très sombre. À l'inverse, si je mets un filtre vert sur l'objectif de la caméra, eh bien là, la lumière orange de l'orange va être bloquée par le filtre et la lumière verte du poivron va passer au travail du filtre. Et dans la photographie, mon poivron vert va être d'un gris plus lumineux que le gris de l'orange. Alors, lorsqu'on faisait de la photographie de rue, de la photographie documentaire, les deux filtres qu'on utilisait le plus souvent, c'était le jaune et le orange. Le filtre rouge va produire une image qui est extrêmement contrastée et ce n'est pas du tout adéquat pour de la photographie euh, de documentaire ou de la photographie de rue. Le filtre jaune va nous permettre d'avoir une séparation dans les tonalités des gris des différentes couleurs et va nous permettre d'avoir euh, des nuances dans les gris. Le filtre orange va être un peu plus contrasté que le jaune et moins contrasté que le rouge. Alors moi, j'aime les images contrastées. Alors la plupart du temps, j'avais un filtre orange de monter sur mon objectif. Donc, c'est ça l'histoire des films de couleurs lorsqu'on fait du noir et blanc. Et je trouve ça vraiment bien que dans Lightroom, on ait des profils de noir et blanc qui vont reproduire l'effet des films de couleurs. Qu'on utilisait, les points de l'arbre Alors là, on continue euh, la, la, la démarche photographique. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai euh, choisi les photos que je vais conserver. Euh, vous allez voir comment je fais mes choix, les décisions que je prends, euh, un peu comment je réfléchis lorsque j'en garde mes photos. Et après ça, j'ai traite deux photographies prises durant la journée. Alors, on retourne dans Lightroom. Bon, alors voici les photos du Mylen. Alors, les photos sont maintenant en noir et blanc avec le pré-réglage que j'ai utilisé pour simuler le rendu d'un filtre orange, euh, comme on faisait à l'époque avec la photographie argentique. Alors maintenant, j'en suis rendu à regarder mes photos et aller euh, trier, à déterminer si je la garde ou pas. Alors, j'ai décidé de faire l'exercice avec vous pour vous montrer que. Des fois, on voit des photos en noir et blanc qu'on aurait euh, rejetées si on l'avait vu immédiatement en couleur. Alors, euh, et et c'est là la pertinence de l'exercice d'importer ces photos en noir et blanc euh, dès le début. Alors, voilà, alors, je commence. Alors ici, première photo, photo que j'aime bien. Euh, j'aime photographier qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine des magasins. Euh, ça permet de faire des compositions abstraites et de jouer avec la réflexion dans les vitres. Alors, lorsqu'on regarde les photos une à une comme ça dans le module bibliothèque, si on regarde à droite, sous l'histogramme, on a une section qui s'appelle développement rapide. Et vous voyez, on a différents réglages qu'on peut appliquer immédiatement à la photo. Alors, les réglages dans la section développement rapide, on ne fait pas le post-traitement euh, complet de la photo avec ça. Euh, ces réglages-là, c'est juste pour nous permettre euh, d'arranger sommairement la photographie pour se donner une idée de qu ce qu'on va pouvoir faire avec après euh, dans le module développement. Alors ici, vous voyez, le, 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 la balance est vraiment très, très lumineuse. Alors, je vais diminuer l'exposition d'un tiers de stop. Voilà, comme ça ici. Et elle est très très blanche. Alors, j'ai diminué l'éclat des hautes lumières. Voilà, voilà. Là, vous voyez, là, j'ai une balance qui est bien exposée et je ne perds pas de détails dans les hautes lumières de la balance. Alors, vous voyez ici, les réglages développement rapide m'ont permis d'apporter des corrections rapides à la photo. Ensuite, je continue. Là, j'avais décidé de photographier uniquement la balance. Je trouve que cette photo-là est moins intéressante que l'autre. J'aime mieux elle. Alors je vais alors donné à la photo un drapeau, un drapeau blanc. Alors je continue ici aussi, toujours dans la vitrine du même restaurant, un ancien pot de tabac à cigarette. Alors j'aime aussi cette photo-là, alors je la conserve. Ici, dans l'entrée d'une épicerie, non, j'aime pas vraiment la composition, quoi qu'il un avec de la retouche locale pourrait diminuer la luminosité des fraises qu'il y a ici et la photo serait plus équilibrée au niveau de la luminosité. Alors, je vais la conserver. Et je vais aller ensuite en post-traitement si je suis capable de faire quelque chose de bien. Alors, toujours la même épicerie. Alors là, cette photo-là, je l'aime beaucoup. Alors, je la conserve. Toujours dans la même épicerie. Voilà, ça ici, les fleurs. Alors, les tulipes éclairées en contre-jour. Euh, moi, j'aime bien. Alors, j'ai conservé la photo. Et si vous voyez, la composition est moins intéressante, je trouve. Je suis un peu plus loin des tulipes et je les vois moins bien. Et euh, je regarde la photo et je ne comprends pas pourquoi j'ai eu l'idée de montrer les euh, chaises vides ici à l'avant-plan. Alors, euh, probablement une bulle au cerveau m'a passé au moment de la prise de vue, mais c'est une photo, finalement. où la composition n'est pas du tout intéressante. Ah, là, je suis rendu devant le guichet du Théâtre Rialto. Alors, j'aime bien cette composition-là. Euh, des fenêtres, des reflets. Ça permet de faire quelque chose d'abstrait. Alors, cette photo-là, je la conserve. Alors, voilà cette photo-là. Alors, j'ai fait cette photo-là parce que les sacs de la dame étaient jaunes. Alors, je veux ramener la photo comme elle était en couleur à l'origine. Parce que cette photo-là, c'est vraiment en couleur qu'elle a des impacts. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans le développement rapide. Et là, ici, j'ai le paramètre prédéfini qui a été appliqué lors de l'importation. C'est-à-dire le paramètre noir et blanc que j'ai créé. Mais là, je veux la ramener comme elle était à l'origine. Alors, je clique ici et je vais choisir paramètre par défaut. Et là, la photo revient en couleur. Alors, le paramètre par défaut, c'est le paramètre que la caméra a appliqué à la photo. Là, vous voyez dans la couleur, cette photo-là est vraiment intéressante à cause des sacs qui sont jaunes. Alors, je vais la conserver. Alors, toujours la même photo. Alors, je crois que je préfère elle. En fait, les deux sont, sont, sont sensiblement pareils. Alors, j'ai utilisé cette photo-là. Voilà, alors je continue. Toujours dans la vitrine du Rielto. Alors, je vais légèrement diminuer l'exposition, comme ça. Augmenter l'éclat des blancs. Voilà. Et là, j'ai quelque chose. J'ai une photo intéressante. Alors, cette composition-là, je l'aime beaucoup. Et je crois qu'en couleur, si j'avais vu cette photo-là en couleur à l'origine, les couleurs sont pas très intéressantes. Et je ne sais pas pourquoi, mais en couleur, la photo n'a pas d'impact. Sans dire qu'en noir et blanc, alors là, on a des jeux de contraste qui sont vraiment intéressantes. Alors, vous voyez, je crois que si j'avais vu cette photo-là dès le début en couleur, que je l'aurais rejetée. Mais en noir et blanc, il y a quelque chose à faire. Alors, toujours le rielto, mais d'un autre angle. L'embarquise du rielto. Alors, cette photo-là, je la trouve intéressante. Mais j'ai celle-là aussi où j'ai inclus la pancarte d'arrêt d'autobus. Alors je crois que j'ai utilisé celle-là parce que la composition de l'image est plus riche. Il y a plus d'éléments dans la nourriture, euh, de, de, dans la photo, il y a plus de choses à regarder. Euh, il y a plus euh, une, la, la composition de cette photo-là vient plus challenger l'esprit que cette photo-là où le sujet principal nous est mis en pleine face avec absolument rien autour. Alors, j'aime bien des fois avoir des compositions qui demandent un certain effort lorsqu'on regarde la photo. Et ici, c'est le cas. Alors, je garde cette photo-là. J'ai aussi fait cette version-là, où là, j'ai utilisé une faible profondeur de champ pour rendre la marquise du théâtre légèrement floue. Mais je crois que je vais y aller avec cette photo-là. Alors, ensemble de vaisselle dans la vitrine d'un magasin. Je suis légèrement surexposé. Alors, je vais diminuer mon exposition. Comme ça, voilà. Et je la trouve intéressante, donc que je la conserve. Ici, une bonne fontaine. Beaucoup trop surexposée. Là, c'est mieux. Pas très intéressant, je trouve. Ici, pas tellement intéressant non plus. Alors, ma bonne fontaine, je vais la laisser passer. Ici, non, je n'aime pas cette photo-là. Si le nuage avait été en haut et un peu plus gros, peut-être que ça aurait été intéressant, mais ici, comme c'est là, non. Alors, elle, je vais mettre immédiatement un X pour la rejeter. Alors, ici, c'est une friperie où on affiche toujours les vêtements sur le trottoir. Et j'adore. Ici, c'est un petit bout de rue. Euh, que j'adore photographier. Il y a toujours plein de vie sur cette petite rue-là. Alors ici, je conserve la photo. Je lève beaucoup. Alors ici, des, des trucs de, de lingerie. Alors je vais la, je vais la conserver. Et peut-être augmenter un peu l'exposition. Voilà, comme ça. Et augmenter l'éclat des blancs un peu. Voilà. Là, la lingerie est plus blanche, comme elle est supposée être. Alors, ça, cette photo-là, je l'ai fait en couleur parce que, bon, le, le, le point d'intérêt de la photo, c'est le ketchup et la moutarde. Et il faut vraiment que ce soit en couleur pour que ce soit intéressant. En noir et blanc, le, la photo n'a aucun intérêt. Alors, ici, c'est une, une plante dans la vitrine d'un magasin. C'est drôle, mais là, ce que j'avais la scène devant moi, c'était très intéressant à regarder. Mais là, sur la photo, comme ça, trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors, je vais continuer. Alors, ça, c'est bien. Je diminue un peu l'exposition. Voilà, comme ça ici. Bon, là, c'est mieux. Et ça ici, c'est le genre de composition et de sujet que j'adore. Euh, des, des effets de contre-jour, euh, du contraste, des noirs, des blancs, des hautes lumières, des basses lumières. Alors, ça, c'est le genre de truc que j'adore. Donc, je garde la photo. Et j'en suis rendu à la fin. Dans cette photo-là, je dois faire en sorte que les pièces de lingerie qu'on voit ici soient blanches, à la fin, soient blanches dans la photo finale. Et il y a aussi la question de la luminosité de l'arrière-plan. Alors si vous voyez, l'arrière-plan est déjà très lumineux. L'arrière-plan est plus lumineux que la lingerie à l'avant-plan. Alors si j'augmente mon exposition, pour que la lingerie devienne euh, très blanche, eh bien, l'arrière-plan va devenir complètement brûlé. Et je ne veux pas avoir ça. Alors, comment faire pour avoir une lingerie blanche et éviter de brûler l'arrière-plan? Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais commencer avec la courbe des tonalités. Alors, j'allume la luminosité de ma photographie, comme ça ici. Voilà. Alors, j'ai augmenté la luminosité des tons clairs. Et je vais également augmenter un peu la luminosité des tons foncés. Comme ça, ici. Ensuite, les curseurs de tonalité. Alors, j'ai assombré les noirs. Dégagé un petit peu les ombres. Augmenté la luminosité des blancs. Voilà, comme ça, ici. Et diminuer l'éclat des hautes lumières. Et. Pour ajuster les curseurs ici, je regarde uniquement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des pièces de lingerie. Je ne tiens pas compte de qu ce qui se passe autour des, autour des vêtements. Je regarde uniquement qu'est-ce qui se passe ici. Alors, je vous ouvre ma photo, question de bien voir les détails. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir vous à l'écran la maison, mais moi ici, je suis capable de voir la texture du tissu. Alors, je vais arranger la, les, les quelques réglages pour que la texture soit encore plus nette, mieux définie. Alors, je vais légèrement augmenter la clarté de la photo et je vais augmenter la texture, le réglage texture. Et en augmentant le réglage texture, eh bien, la texture du, du tissu a ressorti et elle est maintenant beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus présente. Ensuite, je vais aller dans les réglages de détails. Et là, je vais augmenter la netteté de la photo. Alors, j'augmente le gain de netteté, comme ça ici. Ensuite, en maintenant la touche Alt enfoncée, j'ajuste le rayon. Alors, j'augmente le rayon jusqu'à temps de voir les détails dont je veux accentuer la netteté apparaître dans mon image qui est en gris. Alors voilà comme ça ici. Ensuite, je ça commencer un détail où là je contrôle l'accentuation de la netteté et finalement le masquage. Toujours en menant la touche Alt enfoncée, je masque jusqu'à d'avoir en noir uniquement les détails dont je veux accentuer la netteté. Alors je masque comme ça ici. Et là, là, ma photo a une très bonne netteté. On est capable de très bien voir la texture du tissu euh, des pièces de vêtements. Voilà. Vous voyez, on voit bien les détails à l'intérieur de la dentelle. Maintenant, j'en suis rendu à m'occuper de l'extérieur de la photo. Alors, si, euh, lorsqu'on regarde, on peut voir que les trottoirs à l'arrière, tout ça, c'est extrêmement lumineux. Et le problème, c'est que lorsqu'on regarde une photo, nos yeux vont automatiquement se diriger vers les régions les plus lumineuses. et ici ça donne que les régions les plus lumineuses, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est moins lumineux que l'arrière-plan. Donc il faut que je diminue la luminosité de l'arrière-plan. Alors pour faire ça je vais prendre un dégradé radial que j'ai placer comme ça ici. Voilà, et je place mon dégradé radial autour de la camisole qu'il y a à l'avant-plan, comme ça ici, voilà. 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 Alors, je place mon dégradé radial comme ça ici. Et ensuite, je prends la courbe d'éternalité. Et je diminue la luminosité du point blanc. Comme ça, ici. Voilà. Et je diminue la luminosité des gris clairs. Comme ça, ici. Voilà. Et maintenant, si on regarde la photo, eh bien, l'arrière-plan, ici, est devenu un peu plus sombre que les pièces de lingerie à l'avant-plan. Et je pourrais même aller. Dans les réglages de tonalité, augmenter la luminosité des blancs. Et là, la lingerie va devenir encore un peu plus lumineuse que les détails à l'arrière-plan. Ensuite, le recadrage. Alors, j'ai utilisé le ratio 4 par 5. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors, deuxième photo de ma promenade dans le Mylan, les bouquets de fleurs euh, chez l'épicerie du coin de la rue. Alors ici, le problème que j'ai, c'est qu'il y a un très grand écart de luminosité entre les hautes lumières qui sont ici, la tête des fleurs, et les basses lumières qui sont ici, les seaux dans lesquels les fleurs sont placées. Alors, comment j'ai réglé ce problème-là? Eh bien, avec la courbe des tonalités. Alors, dans un premier temps, j'ai diminué la luminosité des hautes lumières qui sont ici, en prenant la courbe à la droite ici, et en diminuant la luminosité des hautes lumières, comme ça. Là, vous voyez, si on regarde dans, les, les, dans la tête des fleurs, eh bien, les hautes lumières sont diminuées, et maintenant, le, la tête des fleurs est très bien exposée. Seulement, en plaçant la courbe comme ça ici, eh bien, les chaudières, en bas sont devenus beaucoup trop sombres. Alors, je vais prendre la courbe à peu près ici et je vais augmenter la luminosité des tons sombres. Voilà, comme ça ici. Et finalement, étant donné que je vais avoir des noirs noirs, eh bien, je vais prendre la partie à gauche de la courbe ici et je vais la descendre. Un peu. Alors, comme ça, je vais avoir des noirs qui sont bien noirs. Alors, vous voyez, ma courbe a une position un peu inhabituelle. Et c'est utilisé comme ça de façon à pouvoir diminuer la luminosité des fleurs et préserver la luminosité dans les basses lumières en bas de l'image. Ensuite, je vais en haut. Et là, je vais augmenter un petit peu la luminosité des ombres. Voilà. Et diminuer un peu l'éclat des hautes lumières, comme ça ici. Et donner un peu plus de luminosité au blanc. Voilà. Et un petit peu de contraste. Voilà, comme ça ici. Alors, je pourrais augmenter la luminosité des ombres encore un peu plus. Question de mieux voir les détails dans les chaudières ici. Et diminuer un peu la luminosité des noirs. Comme ça ici. Ensuite, j'ai augmenté la clarté de la photo, un petit peu, voilà. Augmenter la présence de la texture, voilà. Mais là, lorsque je regarde euh, la photo, euh, même si j'ai utilisé la courbe des tonalités ici pour diminuer la luminosité des hautes lumières dans les fleurs, les fleurs restent quand même euh, un peu trop lumineuses. Alors, je vais prendre un pinceau. Et avec mon pinceau, je vais diminuer l'éclat des hautes lumières et je vais aussi diminuer l'éclat des blancs. Et je vais passer ce pinceau-là dans la tête des fleurs. Voilà. Et je vais ensuite ajuster l'intensité du, du réglage que j'ai viens d'appliquer avec le pinceau en utilisant le curseur quantité. Alors, vous voyez, si je prends le curseur quantité, et que je l'envoie à droite, l'intensité des réglages appliqués avec le pinceau devient plus prononcée. Et si j'envoie le curseur quantité vers la gauche, eh bien, les réglages appliqués par le pinceau deviennent moins prononcés. Alors, j'ai envoyé le curseur vers la gauche. Comme ça, les réglages deviennent un peu moins prononcés. Ça va éviter d'avoir des clips qui sont grisonnantes. Et là, avec ce pinceau-là, ajusté comme je viens de faire ici, eh bien, j'ai récupéré les détails dans les hautes lumières des fleurs. Alors, sans le pinceau, vous voyez, les fleurs sont très, très blanches, très lumineuses, au point où on perd un peu de détails. Et avec le pinceau, les fleurs sont encore blanches, mais j'ai du détail à l'intérieur des fleurs. Bon, ensuite, recadrer la photo. Alors, je vais prendre un ratio 4 par 5, tiens, pour recadrer. Voilà, comme ça ici. Et ensuite, je vais créer un effet de vignette en utilisant un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Je place mon dégradé radial autour de la taille des fleurs. Et ensuite, je vais prendre la coupe tonalités et j'ai assombré les gris moyens. Voilà, comme ça. Et maintenant, j'ai vais augmenter l'éclat des blancs encore un peu. Voilà, comme ça ici. Ensuite, un petit peu de vignettage. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, c'était le petit voyage dans le Myland que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors je me suis dit, on va faire un peu de tourisme dans Montréal, suivi d'un tutoriel, ça va être plus sympathique comme ça. Alors écoutez, merci à ceux qui me suivent sur, sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, pour ceux qui aiment se creuser la tête, euh, j'ai une devinette pour vous. Euh, tout à l'heure, lorsque je parlais des films de couleurs, je vous disais que les quatre films les plus utilisés étaient le jaune, l'orange, le, le rouge et le vert. Alors, le jaune, l'orange et le rouge sont les films qu'on utilise pour photographier euh, à peu près n'importe quoi au quotidien. Le filtre vert était réservé à un usage particulier. Qu'est-ce qu'on photographie en noir et blanc avec le filtre vert? Alors, si vous pensez connaître la réponse, bien, vous verrez dans les commentaires sous la vidéo. Alors, je vous dis merci. À la prochaine et je vais essayer de faire des tutoriels un peu plus souvent, mais je m'engage à rien. bye bye. bye.